Chérie, tu crois qu'il est dans un moulin? T'as entendu, Kombo? Chérie, oui, j'ai entendu. À partir de ce moment-là, oui. Tu vas manger à la maison, pas oui. Dehors. J'ai entendu. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Mon ami, excuse-moi. Excuse-moi, mon ami. Heureusement que mon ami est venu là, sinon je t'aurais cassé la gueule. Je te jure, je t'aurais cassé la gueule. Heureusement que mon ami est venu là. Tiens, je te jure. Lui là, ça fait longtemps que je cherchais à le tabasser. Mais aujourd'hui, Dieu merci, je l'ai eu. Soit il va comprendre, soit tu vas continuer. Mon ami, on va sortir de là. On va sortir de là. Heureusement qu'il est venu là. Sinon, je t'aurais cassé la gueule. Je vais te servir, moi. Ah, merci de ne te laisse jamais, jamais comme ça avec un homme. Faut jamais se laisser faire. Ça fait longtemps qu'il me fait la misère. Au jour d'aujourd'hui, il a payé tout ce qu'il m'a fait. Je suis très contente. Il porte la culotte, mais aujourd'hui, on a renversé. Calme-toi, calme-toi. Je suis désolée pour le désagrément, mais j'ai aimé. J'ai aimé, hein, mais c'était trop fort. Là, soit il va comprendre, soit il va continuer. Les hommes, là, ils veulent nous rendre malades. Ils veulent nous rendre folles. Il ne faut pas risquer le risque d'avoir un AVC ni un arrêt cardiaque. Il n'y a que ça en ce moment. Donc, il ne faut pas se laisser faire. Il dit qu'il porte la culotte, tu renverses. Toi, tu vas mettre la culotte et tu le montres. Je suis bien. Ok, maman. Soyez. Je te remercie. Pour ton soutien. Ok? Ok. Merci, ma chérie. Okay. Vous avez bien fait. C'était juste. On va boire un peu d'eau. Il faut que j'aille là où on mange bien, là où on dort bien, là où on oublie tous les soucis, là où il y a des belles nanas, des belles aventures et des belles... Chérie, mange-moi. La belle. Viens, mon amour. Viens, on va papoter un peu. J'arrive. Oui, oui. Est-ce que tu peux m'amener du coca, s'il te plaît? J'ai un peu... J'ai soif. Coca ou... Sparberry ou... Je sais pas, de l'eau fraîche, hein. Enfin, peu importe, amène-moi du coca, c'est bon, ça me suffit. Vite, parce que je dois sortir, là. T'es toujours en retard, toi. Viens, ma chérie. Merci. Ça va? Assieds-toi ici. Non. Assieds-toi là, ma chérie. C'est bon. Ben, c'est bon. C'est bon? Ma chérie, il faut qu'on parle sérieusement. On a notre fille en question, Chouma. Elle est l'aînée. C'est elle qui va nous élever plus tard. Donc, dès maintenant, il faut qu'on réfléchisse ensemble. Tu vois, nous les hommes, on a toujours raison, ma chérie, toujours raison. Tu te souviens lorsque je t'avais dit que Chouma doit absolument, absolument avorter pour son avenir, c'est-à-dire il faut que Chouma ait son bac, etc. Maintenant, Chouma a eu le bac. Chouma va aller à Métropole pour poursuivre ses études. C'est grâce à moi. Imagine aujourd'hui si on n'avait pas fait l'avortement. Imagine, Chouma serait où? Ici, avec son enfant. Et toi? Kombo. Koulishibo du fanya kono kono miba. Toujours de moi dire. Toi, tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire là ou quoi? Para madame biaboure vo wa le poa mimba yo. Mana, mwez mungu madzaka zangi ala mba shuma wato parabaki. Zo madzaka zangi wamba atopara. Bewawe, watala shoni, ulompwa pure mimbayo, basi rodwa para mansu betswami. Non, ma chuma, calme-toi, ma chérie, calme-toi. J'aime pas te voir énervé, ça, non. J'ai décidé d'être avec toi, d'être heureux jusqu'à la fin, jusqu'à tant pis.
Donc, bon, ça, c'est juste une entre parenthèses. Alors, Chouma va aller à Métropole. Mais il faut qu'on arrive à parler avec Chouma d'une manière qu'elle nous comprenne que aller là-bas, c'est pas la liberté, mais c'est les études. Parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'enfants qui vont là-bas, après, ils se perdent. À Métropole, il y a beaucoup de liberté. Je vis de mes propres yeux. Donc, il faut qu'on arrive à parler avec Chouma, ok ?